participé le 10 novembre 2020 à une représentation du théâtre Forum Ego, représentée par la compagnie du Mauvais Genre. À l'aide de pièces durant entre 5 et 10 minutes, les intervenants nous ont présenté des scènes du quotidien sexiste, même si on ne s'en rend pas forcément compte. Nous avons assisté à la semaine de l'égalité qui a eu lieu du 8 au 12 mars 2021, où nous avons fait des activités diverses et variées. Cela a été très enrichissant pour nous, notre collège s'investit beaucoup dans des projets comme cela. Les sixièmes ont participé à un projet dont le but est de créer un clip pour l'égalité. Ils ont été accompagnés par Marie de la compagnie du Mauvais Genre et Pigouille Productions. Ils nous ont cité des mots-clés sur leurs ressentis. Stéréotypes. Inégalité. Discrimination. Intéressant. Le clip. Forcé. Sexisme. Homophobie. Recrutement dans l'armée. Mécanique. Bonjour, je suis Madame Marché, donc je suis documentaliste au collège de Brioux-sur-Boutonne. Donc, quelle est votre implication dans le projet de l'égalité? Alors, ce projet de l'égalité qui a été réalisé en 6e, donc c'est un projet que l'on a monté en juin l'année dernière pour obtenir un financement et pouvoir réaliser tout ce qui a été fait de septembre à au mois de mars. Donc c'est un projet au long terme qui a impliqué les trois classes de 6e. Alors l'implication, la première implication avec Madame Guigné, professeure d'anglais, on a monté ce projet pour obtenir un financement. Et ensuite on a été toutes les deux en relais au niveau des 6e pour organiser les interventions, les emplois du temps. Et on a été ce qu'on appelle coordonnateur sur le projet au niveau 6e. Bonjour, je m'appelle Dominique Guiné, je suis professeure d'anglais au collège de Brioux et donc co-responsable avec Madame Marché du projet Clip à l'égalité en lien avec les 6e, les 3e et Madame Guiné, entre autres. Alors, avec quel intervenant avez-vous travaillé? Alors, on a travaillé avec la compagnie du Mauvais Genre, Marie Léaumont, qui est une comédienne avec laquelle on avait déjà eu l'occasion de travailler. Nous avons travaillé avec Pigouille Productions, dont le responsable réalisateur est Hugues Degand, et également un preneur de son, papa d'élève d'ailleurs, Emmanuel Tribot.